Au Moyen-Âge, chers petits amis, au Moyen-Âge qui était le temps des châteaux forts, des chevaliers et des pauvres paysans appelés serfs, il n'y avait pas beaucoup de distractions. On s'éclairait à la triste chandelle et on vivait en hiver au coin du feu. Dès que la nuit tombait, on se blottissait dans les maisons autour du grand-père ou de la grand-mère, dans les châteaux autour des ménestrels, qui étaient des sortes de comédiens chanteurs et acteurs, et on les priait de conter des histoires à la veillée. Ainsi naquirent des contes, des légendes, des romans fabuleux et comiques qui sont parvenus jusqu'à nous. Le roman de Renard est l'un d'entre eux. On appelait alors un renard un goupil. Au Moyen-Âge, les goupils étaient bien plus nombreux qu'aujourd'hui. On en rencontrait dans toutes les forêts de France et ils commettaient beaucoup de méfaits dans les fermes et les campagnes. Les poulaillers recevaient souvent leurs visites. On disait même que les goupils étaient des animaux très intelligents et très rusés. On inventa donc de nombreuses histoires autour d'un goupil qu'on appela Renard. Et ces histoires devinrent si célèbres que le nom de Renard fut adopté pour désigner le goupil. Je vais vous rapporter aujourd'hui quelques aventures arrivées à Renard le goupil. C'était le temps de l'automne. Les feuilles des arbres devenaient rousses. Renard était dans son terrier en compagnie de sa femme Hermeline et de ses deux fils Perceet et Malebranche. Tout le monde avait faim. Renard décida alors d'aller voler quelque nourriture. Il sort, il court à travers la plaine, le museau au vent. Il aperçoit le vaste couvent qu'il connaît bien et constate que le grand portail est resté ouvert par inadvertance. Dans la cour, des moines bien gras et bien nourris chantent en se promenant les louanges de Dieu. Le jour va bientôt tomber, la lumière est incertaine. Renard se glisse dans la cour, le ventre collé au sol, sa belle fourrure fauve et sa queue rousse se confondent avec les couleurs des feuilles qui couvrent les allées. Renard avance, son long museau frémit, ses oreilles sont droites et pointues. Le poulailler est proche. Le poulailler des moines. Voilà si longtemps que je rêvais d'en approcher. Il est rempli de poules bêtes et bien grasses. Oh, oh, je vais me régaler. Il faut que j'en attire deux ou trois hors d'ici pour ne point donner l'éveil. Renard furette, de ci, de là, ramasse délicatement quelques vers et vermisseaux dont les poules sont si friandes. Il les pose, bien en vue, à quelques pas du poulailler. Les vers se tortillent un instant. Trois poules sortent aussitôt pour picorer. Pauvre sotte, un bond, trois coups de dents et les voilà égorgés. Renard en croque une aussitôt et garde les autres pour sa famille. Ah, c'était bien bon.
ma foi. Et me voilà repu. Je boirais bien pourtant, avant de quitter ces lieux, un peu de cette eau fraîche. Tout près du poulailler, il y a en effet un puits, muni, comme tous les puits, d'une poulie, de deux seaux et d'une corde. Quand un seau descend au fond du puits, l'autre remonte. Renard s'installe confortablement dans l'un d'eux et le voici bientôt au fond du puits. Ah, oh, qu'elle est fraîche! Quelle bonne eau! Mais à peine a-t-il apaisé sa soif qu'il se demande soudain: comment faire pour remonter? Si j'appelle pour que l'on tire sur la corde, je serai cueilli à la sortie du puits. Les moines se douteront que j'ai mangé leur poule. Ils me tueront sans merci. Oh, que faire, que faire! Comme j'ai été imprudent! Or, voici que se promenant de ce côté, le loup Isengrin entend cette voix qui remonte du puits. Curieux, il se penche sur la margelle et demande: oh là! Y a-t-il quelqu'un là-dedans? Tiens! Mais c'est toi, renard! Que fais-tu là, au fond, à gémir comme un malheureux? Renard, qui a vu immédiatement le parti qu'il pouvait tirer de la présence d'Isengrin, réplique de sa voix la plus sucrée: Isengrin, mon ami, c'est justement à toi que je pensais. Je ne gémissais pas, mais je me réjouissais. Et pourquoi, ma foi, te réjouissais-tu d'être ainsi placé au fond d'un puits? Sais-tu que nous sommes dans le domaine des moines et que je suis là, au paradis, au fond de ce puits? Ah, viens donc me rejoindre, c'est un endroit divin. Ici foisonnent les brebis, les lièvres, les agneaux, les poules et les pintades. Par Saint-Sylvestre, tu me mets l'eau à la bouche. Mais comment faire pour te rejoindre? C'est simple. Fais d'abord une longue prière pour demander au ciel de t'accorder l'entrée au paradis. Ah. Puis, tu n'as qu'à monter dans l'autre seau qui est au bord de la margelle. Et tu descendras sans encombre. Isengrin, naïf, saute dans le seau et le voici entraîné au fond du puits pendant que Renard remonte aussitôt. À peine est-il au fond du puits qu'Isengrin comprend qu'il a été une fois de plus la victime de Renard, le rusé. Il enrage, il hurle: Renard! Tu me le paieras si tu dois me laisser dans ce vilain trou noir et humide! Remonte-moi vite ou tu auras affaire à moi! Renard n'a qu'une hâte, s'éloigner très vite du couvent, car il sait que les cris d'Isengrin vont attirer les moines. Il récupère donc les deux poules égorgées qu'il avait laissées près du poulailler et s'enfuit dans la forêt vers son terrier. Renard, à moi! À moi, Renard! Mais qu'est-ce que c'est? Les moines, alertés par les cris d'Isengrin, ne tardent pas à constater le larcin de Renard. Ils courent vers le puits, tirent sur la corde, et Isengrin apparaît éberlué. Il est accueilli par une volée de coups de bâton. Le cuir déchiré, il décampe en hurlant sans même tenter d'expliquer qu'il n'est pas coupable. À quelque temps de là, aux approches de Noël, Renard, qui par des flatteries était parvenu à se faire pardonner sa méchante ruse par Isengrin, propose à son ami une partie de pêche sur l'étang. L'eau était si gelée qu'on aurait pu danser dessus. Les paysans avaient ouvert dans la glace un trou où chaque jour ils menaient boire leurs bêtes. Ils avaient laissé tout à côté un seau qui leur servait à tirer de l'eau. C'est là que Renard mena son compagnon Isengrin.
Compagnon, voici l'endroit le plus poissonneux de la région. Et puisque vous êtes mon ami, je vais vous montrer comment l'on pêche les anguilles, les carpes et tous les poissons beaux et bons. Prenez ce seau. Ouais. Attachez-le à votre queue. Tenez. Non, laissez-moi faire. Voilà qui est bien. Et maintenant, plongez-le dans ce trou et attendez que les poissons viennent le remplir. Oh, merci, frère renard. Je songe déjà au bon repas que je ferai. Mais dois-je rester longtemps ainsi, car il fait froid? Tout dépend. Vous sentirez-vous même lorsque le seau se remplira, mais il est possible que vous soyez retenu ici une partie de la nuit. Là-dessus, Renard laisse son compagnon et sournoisement se réfugie dans un buisson. Les heures passent. Le froid se fait plus vif. L'eau, en se gelant, enserre le seau attaché à la queue et la scelle dans la glace. Isengrin essaie de se soulever, de tirer le seau. Rien à faire. À part la barbe du père, que ce seau est lourd. Il doit au moins contenir 100 poissons. Et renard, montre-toi. Viens m'aider. Je tirer le seau tout seul. Mais renard reste quoi? Il attend que les heures du plus grand froid s'écoulent. La nuit est maintenant passée et Isengrin s'inquiète. L'aube pointe déjà à l'horizon. Renard quitte son buisson et s'approche d'Isengrin. Messire, vous avez assez pris de poissons et il nous faut partir. Renard, j'ai dû en prendre trop. Je ne puis plus tirer le seau de l'eau. Aide-moi. Alors, renard, qui s'est une fois de plus moqué d'Isengrin, s'éloigne en disant: vous voilà pris au piège, messire, car vous avez été bien gourmand. Qui convoite trop, perd tout. Adieu, je vois déjà venir des chasseurs. Oh. S'ils ne vous tuent point, au moins vous trancheront-ils la queue d'un coup d'épée et lâcheront ensuite leur chien sur vous pour prendre un peu de distraction. Allons, les chiens, allons, allons. Voilà le loup pris au piège. Ah, le combat est trop inégal. Tiens, tiens, loup, je te donne une chance. Je tranche ta belle queue d'un seul coup de lame. Pauvre Isengrin, humilié, meurtri, hurlant de douleur, il fuit à grande allure dans le bois. Il y parvient bientôt et échappe au chien en jurant qu'il se vengera un jour des ruses de renard. Eh bien, mes chers amis, ce n'est pas Isengrin qui parvint à se venger de renard le premier. Le coq Chanteclair, roi de la basse-cour, eut cet insigne honneur. Mais écoutez plutôt comment cela arriva. Messire Chanteclair était allé se promener dans un sentier du bois et s'était arrêté à l'écart sur un tas de fumier. De là, il dominait toute la basse-cour. C'était un chaud matin d'été et Chanteclair
ne tarda pas à sommeiller sans plus se soucier des poules qui caquetaient alentour. Renard, qui rôdait par là, se dit « Bah, ce n'est pas ce petit mur qui m'empêchera de m'emparer de ces poules-là. » Il approche à pas feutrés. Il s'apprête à bondir quand soudain il découvre Chantecler perché au sommet de son tas de fumier et qui fait mine de dormir. Chantecler surveille cependant Renard dont il a deviné les intentions. Ce coq stupide et orgueilleux ne m'empêchera pas de croquer une poule. Je vais lui jouer un tour à ma façon. Tout aussitôt, Renard s'allonge au pied d'un arbre, s'étire, bâille et fait mine de s'endormir. Pour bien marquer son profond sommeil, il ronfle même bruyamment. Derrière ses paupières mi-closes, il surveille Chantecler. Je m'étais donc trompé. Renard, pour une fois, ne fait que rôder à la recherche d'un peu d'ombre. Ma foi, puisque le voilà endormi, je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas aussi un petit somme. De ses deux pattes, Chantecler se creuse un trou confortable dans le fumier et le voilà bientôt assoupi. L'imprudent Renard n'attendait que cela. Il s'élance et prend notre chanteur de basse-cour par le cou. Il s'enfuit tout joyeux sans se soucier des cris que pousse sa victime. À moi, au secours, Renard va m'égorger. À moi, le maître, délivre-moi. Mais Renard court si vite qu'il prend une grande avance sur les fermiers qui, au cri de Chantecler, ont quitté leur travail et poursuivent le goupil, une faux à la main. Mais Renard attend d'avance que les chiens perdent sa trace. Chantecler, voyant que la situation est désespérée, décide d'employer la ruse. Messire Renard, comment tolérez-vous de vous laisser traiter ainsi par de pauvres paysans? J'en ai honte pour vous. Ils ont beau jeu de me défendre aujourd'hui, tandis qu'ils me feront cuire à la casserole un jour prochain. Injuriez-les à votre tour. Il en va de l'honneur de tous les animaux. Renard, dont la vanité est flattée par les propos de Chantecler, se dit, ma foi, que ce coq n'a pas tort. Et sans plus réfléchir, il s'arrête un instant, se retourne et ouvre largement sa gueule pour hurler des injures aux paysans qu'il poursuive. Chantecler bondit et d'un coup d'aile gagne la plus haute branche d'un arbre voisin. Terrible saut ! Quand je pense que l'on dit de toi que tu es le plus rusé des animaux. Et tu es là à m'écouter et à perdre ton avance sur ce paysan qui se rapproche. Renard constate qu'il n'a pas le temps de répliquer au colibé de Chantecler. Et puis, qu'aurait-il à dire? Ne vient-il pas en effet de se comporter comme un sot? Ventre à terre, il regagne sa demeure lointaine pour y ruminer son dépit et sa colère. Mais cette fois, la mesure est pleine. Renard s'est montré tellement insupportable que tous les animaux de la forêt, tous ceux de la ferme à qui il a dans le passé joué des tours, décident de se plaindre au roi des animaux, noble le lion. Il y a là Brichemer, le cerf, Tibère, le chat, Brun, l'ours, Renelle, le chien, Isengrin, le loup, Beausang, le sanglier, et puis tous les animaux des bois, Épinard, le hérisson, Blanche, l'hermine, Couard, le lièvre, Grimbert, le blaireau, Courte, la taupe, Foinet, le putois, enfin Chantecler, le coq, accompagné de Dame Pinte, la poule, et puis Tiesselin, le corbeau, et Brune, la corneille.
À tout ce joli monde se sont joints les moines, les paysans, les fermiers du voisinage. Chantecler, grimpé sur la plus haute branche d'un pommier, harangue la foule. Il faut sans tarder nous rendre à la cour de Nobles, le roi, et lui demander justice. Cette situation ne peut durer. Renard est un malfaisant qui trouble notre vie. Tu as raison, Chantecler. Nous suivrons ton conseil. Allons, en route vers le château de Nobles. Et que le roi décide. Quand tout le monde fut réuni dans la grande salle du trône, devant Nobles, le roi lion, Grimbert, le blaireau, prit la parole. Sire, chacun ici vous contera tout à l'heure ses mésaventures, et chacun vous demandera raison des ruses et de la méchanceté de Renard. Je veux pourtant, étant de sa lignée, vous dire qu'il ne serait pas justice de le condamner sans l'avoir entendu. J'irai, si vous le désirez, le chercher tout à l'heure. Je me retire maintenant et vous laisse écouter les plaintes de mes compagnons. Le vieux lion, les paupières mi-closes, écoute avec patience les moines et les paysans, Isengrin et Chantecler, et tous les autres animaux qui ont eu, un jour ou l'autre, des démêlés avec Renard. Lorsque tous ont parlé, Nobles, le vieux lion, se dresse sur son trône et dit « Mes amis, je suis touché par vos malheurs. Toi, Isengrin, tu as été humilié, rossé, battu et tu as perdu ta queue. Vous, les moines, vos poulaillers ont été dévastés. Toi, Chantecler, tu as failli être égorgé. Mais enfin, si Renard est la cause de tous ces malheurs, ce n'est pas lui, par contre, qui a battu Isengrin, qui l'a rossé et qui lui a tranché la queue. Vous avez tous été victimes de la ruse de Renard, mais pourquoi n'êtes-vous pas assez malin pour y échapper ? Cependant, pour bien juger de cette affaire, je suivrai le conseil de Grimbert le blaireau. Cours donc, blaireau, vers la demeure de Renard, et conduis-le ici afin que nous l'entendions. Toi, beau sang le sanglier, tu accompagneras Grimbert, et tu lui prêteras main forte si Renard refusait de venir. Voici donc Grimbert, qui s'élance ventre à terre à travers prés et collines pour joindre Renard en sa demeure. Les voici en vue du donjon où Renard se réfugie. Alors, Grimbert, le blaireau, déplie le parchemin dont il est porteur et crie de sa voix la plus forte. Renard ! C'est à toi que je m'adresse ! Par ordre de Nobles, le lion, roi de la forêt, et par cette lettre de cachet dont je suis porteur et qui est signée de lui, je t'ordonne de me suivre afin de te présenter sans retard au palais royal et de t'expliquer sur tous les méfaits dont on t'accuse. Grimbert, mon frère, je te remercie de me transmettre cet ordre. J'irai sans retard à ta suite me présenter au roi. Ma défense ne sera pas facile, mais je saurai trouver le chemin de son cœur, éveiller sa pitié et me faire pardonner. Renard parcourt derrière Beausang le sanglier et Grimbert le blaireau le chemin qui les sépare du château du roi. À peine Renard a-t-il franchi le seuil de la salle que des cris hostiles se font entendre. À mort ! Justice ! Cet enfoiré ! Il mérite la potence ! À mort ! À mort !
Renard ne se laisse pas troubler. Humble, la queue basse, il parcourt la distance qui le sépare du trône et se jette aux pieds de Noble le lion. Entends-tu de quel nom on te traite, Renard? Crois-tu que cela soit justifié? Et qu'as-tu à répondre? Sire, je vous salue et m'humilie devant vous, moi qui vous sers avec plus de ferveur et de loyauté que n'importe lequel de vos sujets. Ceux qui vous disent du mal de moi ont tort, mais peut-être est-ce la jalousie qui les pousse à médire sur mon compte. De quoi m'accuse-t-on? Certes, j'avoue avoir de ci de là mangé quelques poules, mais devais-je laisser mourir de faim mes pauvres petits goupils? Et puis, ceux-mêmes qui m'en accusent, se privent-ils de se faire les crocs à leur gré sur toutes les volailles? Et toi, Isengrin, n'étais-tu pas assez fort pour te battre contre les chiens et les paysans qui te poursuivaient? Est-ce ma faute si, conduit par ta gourmandise, tu as laissé prendre ta queue dans les glaces de l'étang? Est-il juste, sire, qu'on me pende pour cela? Non, sire. La foi, la grande loyauté que j'ai toujours eue envers vous me laisse penser que vous serez indulgent. Si j'ai commis des fautes, je vous en demande humblement pardon. Ainsi parla Renard. Et le vieux roi, qui lui aussi croquait de ci de là biches et agneaux, veaux et volailles à l'occasion, et parfois même, pourquoi pas, un moignon bien gras, oui, le vieux roi se laissa attendrir. Soit, Renard, je me range à tes raisons et je crois faire bonne justice en te pardonnant. Je te laisse donc partir, à la condition que tu me promettes de te conduire désormais comme un bon sujet des bois et des forêts. Mais attends, j'aimerais savoir si quelqu'un dans l'assistance n'est pas de cet avis. Le roi interrogea l'assistance, et l'assistance, bien sûr, qui n'avait point l'audace de s'opposer à la clémence du roi, ne pouvait qu'approuver. Ce jugement est bon. Oui, qu'il promette, et nous le laisserons partir. Renard, bien sûr, promit tout ce que l'on voulut, trop heureux d'échapper à la potence. Il quitta donc le palais du roi pour regagner sa demeure, mais il n'avait pas fait la moitié du chemin, qu'il pensait déjà au bon tour qu'il allait préparer pour tirer vengeance de tous ceux qui avaient tenté de le faire pendre.